À l'origine, je venais enquêter sur des créatures marines, mais voilà que j'ai fini par me rendre sur l'île d'Alcatraz avec mon grand frère. On arrivera sous peu. Ok. Revoyons une dernière fois notre plan et notre objectif. Les mouvements des créatures marines avec des traceurs ont été perdus dans le secteur de l'île d'Alcatraz, dans cette zone maritime protégée. Des créatures marines? Pourquoi est-ce que c'est un cas pour le BSA? Parce qu'on a examiné l'ADN provenant d'une morsure sur une orque échouée. Et de cet ADN, une correspondance a été détectée avec le virus des zombies de l'incident du centre-ville. Selon la police, l'enquête a conclu qu'il n'y avait aucun point commun entre les victimes. Mais si on approfondit les recherches, ça nous mène à Alcatraz. Quoi? Des contributeurs au guide touristique d'Alcatraz, des hôtes et directeurs du programme d'événements de charité, ainsi de suite. Tous, ils sont liés à Alcatraz. On arrive. On va enquêter sur la connexion entre l'Alcatraz et le virus, et mettre un terme à la dispersion de ce virus du mieux que l'on puisse. Ne t'inquiète pas, on ressortira en un rien de temps. Compris. Je crois que le virus en question est un variant du virus T. Un vaccin a été développé par le passé, donc je pense être capable d'en faire un. Reçu. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Il y a un instrument de torture qui se nomme le taureau des drains. Un humain est placé dans un taureau en cuivre et il se fait cuire vivant jusqu'à la mort. Lorsqu'il fut utilisé pour la première fois, l'homme qu'il avait créé fut mis dans le taureau. De cette manière, il pouvait ne faire qu'un avec sa création. N'est-ce pas beau? Mettons en action la puissance des biodrones. Le niveau de confort est incroyable! Ou pas! Yo les amis, on est finalement arrivé sur la tristement célèbre île d'Alcatraz! Pour plus d'images, n'hésitez pas à liker et à vous abonner! Bienvenue pour un tour d'Alcatraz. Le pénitencier d'Alcatraz a servi de prison fédérale jusqu'en 1963. Aujourd'hui, il est ouvert au public en tant qu'attraction touristique et historique. Donc, quel est le plan, Chris? J'espère que tu ne comptes pas faire toutes les visites. Je vais aller faire un tour sur les côtes. Vous deux pouvez faire de même avec des zones hors du chemin touristique. On reste en contact radio. S'il y a quoi que ce soit, appelez Rebecca. Ah! Ah! Jill, Claire, préparez-vous.